talent. Avance, fais-le. Bravo, Didier. Turbo. Je voulais commencer par dire que c'est une initiative commune, conjointe de tous les leaders, au cadre leaders d'opinion de la région, qui, dans le cadre d'une délégation concertée, donc, qui a fait un déplacement à la maison mortuaire du président de la coordination Al-Fula Foulbé et la Joussouane Saloua. Nous sommes venus encore une fois, d'une manière concertée, exprimer les condoléances les plus attristées à la famille éplorée, à la région, à toute la Guinée et au continent, parce que celui qui nous dit adieu aujourd'hui est quelqu'un de longue expérience à travers la région, la sous-région et toute la région. Nous avons donc été accueillis par les notables de la région qui ont été très marqués par cette démarche unitaire, parce qu'il faut rappeler que chacun d'entre nous avait de son côté, de sa propre initiative, fait le déplacement pour présenter ses propres condoléances. Nous avons estimé que cela ne suffisait pas. Il fallait, à la mémoire du défunt, qui représentait, qui présidait la coordination Al-Fula, nous concerter et venir dans un élan unanime, lui rendre hommage et prier Dieu pour que sa mémoire, son âme repose en paix dans le paradis. Excellence, qu'est-ce que vous retenez de cet homme qui a disparu? Un combattant qui a été finalement à la tête de la coordination Al-Fula. Il a commencé très petit, il s'est battu. On vient de nous dire qu'il a fait ses premières armes à Gekedou, un pays Kissi, où il a été très social. Et il a donc évolué, il est devenu un grand opérateur économique, une grande personnalité, un grand notable, et finalement président de la coordination Al-Fula de Guinée. Merci. Merci beaucoup.